Je ne parle pas chinois, alors c'était très difficile lorsque je suis arrivé ici pour commander quoi que ce soit en ligne. Mais dernièrement, je dirais que presque tout dans cet appartement ou dans cette pièce a été acheté en ligne. Ce qui a changé l'expérience d'achat d'Yan Satou en Chine est un site internet appelé Bopros. Il aide les locuteurs non chinois à faire leurs achats sur Taobao et Tmall, deux sites chinois appartenant aux géants du commerce électronique Alibaba. C'est vraiment pratique et le coût est vraiment bien meilleur. Le site Wipe a été cofondé par trois expatriés américains à Shanghai en 2016. En moins de 3 ans, il a vendu plus de 2 millions de produits et généré plus de 14 millions de dollars de revenus. La Chine est sans doute le meilleur endroit au monde pour faire des achats en ligne. Nous sommes une plateforme massive. Nous vendons de tout, de cette montre aux vêtements, en passant par les appareils électroniques, etc. Le succès de Bopros a également donné le sourire à Huang Jianre, dont le commerce des accessoires de Noël a été affecté par les incertitudes du commerce international. La plupart de nos produits étaient exportés par le passé, mais ils ont été durement touchés par la politique internationale complexe de ces dernières années. Actuellement, nos produits se vendent très bien sur le marché intérieur via les plateformes de commerce électronique. Bopros indique que sa prochaine étape consistera à mettre en ligne des produits chinois de meilleure qualité et plus abordables. Nous pensons que nous avons fait du très bon travail ici, au service des expatriés vivant en Chine. Mais en réalité, la prochaine étape est de savoir comment nous pourrons le rendre mondial. Donc nous avons quelque chose en projet. Nous espérons commencer en 2019 à expédier partout dans le monde.